Pascal Obispo, ses 30 ans de carrière, près de 5 millions d'albums vendus en tant qu'interprète et 14 millions comme compositeur, donné TF1, 3 comédies musicales et des titres légendaires comme Lucie, Fan, Allumer le feu ou encore L'envie d'aimer. Pilier de la chanson française, l'ancien coach de The Voice célèbre cette année ses 3 décennies passées sur le devant de la scène. Pour fêter cet événement comme il se doit, Nagui a décidé de lui réserver une petite surprise. Dans le clip vidéo, nous pouvons voir Nagui, assis à l'arrière d'une voiture, s'apprêtant à récupérer Pascal Obispo, il pense participer à une émission pilote. Chanter un titre, répondre à quelques questions. Mais en réalité, ses amis de toujours vont venir lui offrir un spectacle auquel il ne s'attend pas et auquel il va pouvoir participer. C'est son anniversaire secret. À l'écran, on découvre un Pascal Obispo décontenancé. En arrivant sur le plateau de l'émission, seul, il semble savoir ce qu'il doit faire, mais reste surpris de l'accueil du public. Quelle surprise! Qu'est-ce qu'il se passe? Demande-t-il à la cantonade. Et, alors qu'il s'installe au piano, une guitare commence à résonner. Surpris, l'artiste lève la tête et découvre son ami, Zazie. Bonsoir Pascal. Tu vas rire. Point, en fait, ce soir, on va fêter tes 30 ans de carrière. C'est ton anniversaire, révèle alors la coach de The Voice à son ancien collègue, avant d'ajouter, pleine de malice, qui dit anniversaire, dit beaucoup de surprises. Relax, cool, détends-toi, tu as un piano, tu as un micro, c'est à peu près comme habitude, sauf que tu peux venir chanter avec moi quand tu veux, d'ailleurs ça m'arrangerait vu la tonalité. Une émission exceptionnelle pour un artiste de légende tout sourire, le rire aux lèvres, Pascal Obispo ne s'attendait visiblement pas à cette surprise, mais semble en être plus que ravi. Face à lui, Zazie termine le lancement de l'émission, il va y avoir, évidemment comme c'est un anniversaire, beaucoup de musique et de chansons. Comme celle-ci, et c'est parti pour une soirée remplie de rires, de larmes et de souvenirs. Au cours de l'émission, Kali, Gauvin Serre, Benabar, Nolwenn Leroy, Jordana Hanegi, Michael Gregorio, Anne Silla, Santa, Alexia Grady, Chimène Badi, Axel Bauer, Elodie Frégé, Natacha Saint-Pierre, Patrick Bruel, la troupe des 10 commandements et Florent Pagny se succéderont donc sur scène pour interpréter les plus grands titres de l'artiste et ceux composés pour ses proches. Cette séquence sera à retrouver sur France 3, ce vendredi 24 novembre, dans Pascal Obispo, 30 ans de succès, dès 21h10. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 3.